Bet, non, Alakha Aleph, oh, oui. Page 72, dans la brochure téléchargeable sur le site. Page 72, la première colonne, deuxième partie. Alken tzaïk liyot mila kodemat vila. Donc il faut, quand quelqu'un veut se convertir, d'abord il doit faire la brit mila, et après il doit se tremper au mikvé. Qui yefchar le kabela ratanekuda kemalede amila. Parce que maintenant, s'il n'y a pas eu de mila, s'il n'y a pas eu de circoncision, on ne peut pas recevoir la lumière de la nekuda, c'est-à-dire la lumière de la neshama. Parce que comme on a vu dans la Torah que la neshama, elle se trouve dans Brit Shalom. Donc c'est pas chaud, puisque la neshama maintenant c'est une partie d'Hachem, c'est chaque âme, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu peux pas imaginer que cette âme là elle va fonctionner si elle n'est pas attachée à Hachem, si on n'a pas rangé d'abord Brit Shalom, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de connexion entre le, s'il n'y a pas eu de connexion entre Hachem et l'individu, c'est pas possible que la neshama elle rentre dans le corps. C'est-à-dire c'est pas possible que l'homme il puisse avoir un contact avec sa neshama s'il n'y a pas la paix avec Hachem. C'est-à-dire, si quelqu'un il n'est pas en paix avec Hachem, c'est pas possible que... Qui a Orla au prénat très repas. Parce que maintenant, la Orla, le prépuce qui vient recouvrir la Mila, ça s'appelle Kherpa. Il s'appelle la honte. Prinat ki kherpa ilano, shu prinat kherpa shavra libi. Est-ce que c'est une honte, comme c'est écrit, la honte a cassé mon cœur. Donc toute cette ligne là de choses, c'est le même principe, c'est-à-dire là le fait que la Brit Mila elle est pas faite, ou le fait que le cœur il est dans l'état avot de ce monde. C'est tout ça, c'est la même chose, c'est le même principe, parce que la mila ça a été fait pour être connecté avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire pour donner la vie. C'est ça le principe de la mila. Donc quand quelqu'un fait la circoncision, il est apte à recevoir la vie, il est apte à donner la vie. Et s'il n'y a pas de circoncision, il n'y a pas de possibilité de recevoir une neshama, parce que une neshama c'est une partie d'Hachem. Quelqu'un, il ne va pas recevoir une partie d'Hachem s'il n'est pas en contact déjà avec Hachem. Ce n'est pas possible. Maintenant, ça c'est pour le nyan de la Brit Mila. Maintenant, le cœur, c'est pareil. Le cœur, c'est une maison de la résidence d'Hachem. C'est-à-dire que si quelqu'un, son cœur, il est dans les plaisirs de son cœur, ça veut dire que son cœur, il est dans la orla, il est dans le prépuce, c'est-à-dire que son cœur, il est dans ce qui recouvre la vérité. De la même manière que ce monde il cache Hachem, c'est-à-dire que le monde matériel, comme on le connaît, il a été fait pour chercher Hachem de façon qu'il soit pas trop difficile et trop forte. À dire Akadosh Baruch Hu, il s'est réduit, il s'est contracté pour que la personne elle puisse le chercher progressivement dans la matière. Mais si maintenant la personne elle utilise le fait que Hachem il a mis un système dans lequel on peut le chercher progressivement, si la personne elle utilise ce système là pour s'éloigner d'Hachem, c'est-à-dire utiliser le côté qui va doucement, c'est-à-dire le côté qu'Hachem il s'est caché volontairement pour laisser à la personne la possibilité de le chercher de façon progressive, il utilise ça pour lui développer des plaisirs. Alors à ce moment-là, il est tombé dans le contraire de la création, c'est-à-dire qu'il est tombé dans ce qui s'appelle le prépuce du monde, c'est-à-dire qu'il est tombé dans la orla de la vie. Au lieu que maintenant la
ils choisissent la vie elle-même. Il a choisi la orla de la vie, c'est-à-dire il a choisi l'emballage qui servait à protéger la vie. C'est ça qu'il a choisi, lui. Au lieu maintenant de choisir la vie qui était dans l'emballage, il s'est attaché à l'emballage de la vie. Donc ça, c'est... Tout ça, c'est dans la même lignée. C'est-à-dire, la même chose que la Brit Mila, que le Brit, il a une orla. Cette orla, c'est ce qui vient cacher la vie. Le cœur, il a une orla aussi. C'est-à-dire, la orla du cœur, c'est le fait que le cœur, il est attiré par des plaisirs de ce monde. Ça, c'est la orla du cœur. Ça s'appelle le prépuce du cœur. Et donc, ça s'appelle un cœur cassé. Pourquoi ça s'appelle un cœur cassé? Pourquoi ça s'appelle pas un cœur détourné ou un cœur cassé? Parce que une fois que la personne, elle s'est habituée à vivre dans le plaisir et à rechercher le plaisir, et c'est ça sa façon de vivre, alors son cœur, il est cassé, c'est-à-dire son cœur, il ressent plus du tout la divinité. Il est incapable de recevoir en lui la divinité parce qu'il est cassé, c'est-à-dire qu'il a été détruit par le principe de la Shvirat Kelim qui a été comme le principe de la création, c'est-à-dire que le fait que maintenant Hachem, quand il a voulu se révéler dans le monde, il a fait que les récipients, ils n'ont pas tenu, c'est-à-dire les récipients, ils ont explosé plusieurs fois, et le monde, il a explosé plusieurs fois, jusqu'à que la septième fois, il a réussi à ce que le monde se maintienne, mais de ces explosions-là qui a eu plusieurs fois, alors ça a entraîné les clipotes. Toutes les clipotes du monde, elles sont nées de ça. Elles sont nées de la destruction des récipients par le fait qu'il y avait trop de lumière. Donc quand maintenant quelqu'un, il va chercher les plaisirs de ce monde, les massés, c'est les plaisirs de ce monde, c'est trop de lumière. C'est-à-dire qu'il va chercher trop de lumière et donc ça fait exploser son cœur. Et que son cœur, il est cassé, alors il ne peut plus recevoir la Shrina dedans. Il ne peut plus recevoir la présence divine dans son cœur. Parce que son cœur, il a été brisé par le ribouille or d'état à vote. Les plaisirs de ce monde, c'est ribouille or. C'est-à-dire, c'est trop de lumière. C'est-à-dire, quelqu'un qui voit ce monde-là comme un moyen de plaisir, c'est du ribouille or. Ça s'appelle trop de lumière. C'est ça la définition d'état à vote. Maintenant, quand le plaisir, il peut venir avec la halakha, avec la Torah, avec la dvekut b'Hashem, comme la Torah nous dit, Bekarata le Shabbat Onek, que le Shabbat c'est un jour de plaisir, mais c'est un jour de plaisir qui ne va pas détruire le cœur. Au contraire, c'est un plaisir qui vient, dans le cœur et qui réjouit le cœur, qui donne envie de servir Hachem. Tandis que les plaisirs qui sont pris dans la semaine, ce sont des plaisirs de ribouille or qui ne font qu'alimenter les clipotes. Donc ça s'appelle cœur brisé, c'est-à-dire cœur cassé en morceaux. Aïncham, Alken Mitrila Keshaya Kumarel. Maintenant, au début, quand il était un idolâtre, et donc il avait son prépuce, Kola Goïm Arelim, parce que tous les Goïm, ça s'appelle des gens qui ont le cœur qui est recouvert, qui ont le brit qui est recouvert, comme Shamu Bamishna, qui est Inikat Hashemim Mot, Hum Shvirat Kelim. Parce que tout le union des 70 nations, d'où elles tirent leur force, elles s'alimentent des Kelim qui ont été cassés. C'est de ça qu'elle s'alimente. Chez Misha Machizat à Klipot, chez Uprinat Orla. C'est de là-bas que les Klipotes se nourrissent, qui sont la Orla. Donc les 70 nations, s'il n'y avait pas eu le ribouille or à la création du monde, les 70 nations n'auraient pas eu d'autre choix que de passer par le Ham Israël pour recevoir la vie, la lumière, la bracha, la chokhma, tout, elles auraient été obligées de passer par le Ham Israël. C'est pas parce que pour que le Ham Israël domine le monde, c'est parce que la construction du monde, elle est comme ça. C'est comme si maintenant il y a une distribution d'oxygène qui se fait à un endroit, normalement tout le monde doit venir à l'endroit où il y a le robinet d'oxygène pour prendre de l'oxygène, mais le fait maintenant que les tuyaux qui amènent l'oxygène, il y a des trous dans le tuyau, que le tuyau il a été fissuré parce qu'il y avait trop de pression. Alors il y en a qui viennent et qui prennent directement l'oxygène dans les fissures qu'il y a dans le tuyau. Au lieu d'aller prendre là où il y a la distribution, ils suivent le chemin du tuyau et ils prennent là où ils voient qu'il y a de l'oxygène qui sort, ils prennent de là-bas. Alors ça, c'est comme ça que les 70 nations elles vivent. Les 70 nations elles vivent du fait qu'il y a eu une explosion à la création du monde, ce qui a permis à des gens de prendre le monde sans Hachem.
c'est-à-dire de prendre le monde sans le homme Israël, d'imaginer qu'il est capable de que dans ce monde-là, on peut vivre sans le homme Israël, ou on peut vivre sans le tzaddik, ou on peut vivre sans Hachem. Ça, c'est des interprétations de Riboui Or. Alors, de la même manière, après, la même erreur, elle est faite dans le homme Israël. Quand le homme Israël, il a cru que quelqu'un peut être juif sans être attaché au tzaddik, c'est la même erreur, c'est la même chose. Le tzaddik, lui, c'est le tzinor, c'est le tuyau de la ruchniyut du monde. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de Torah sans Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de Mishkan sans Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de Kohen sans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le premier Kohen Gadol dans la vie du monde. Il y a pas, pourquoi Moshe Rabbeinu n'a rien à faire? Il peut pas dire à quelqu'un, surtout que c'est son frère qui allait être Kohen Gadol, il peut pas le mettre directement. Qu'est-ce qu'il a besoin, lui? Il a de quoi, il cherche de quoi s'occuper, il s'ennuie. Mais non, il n'y a pas de possibilité. Si le premier Kohen du monde, c'est pas Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de Kohanim dans le monde, ça n'existera jamais. Mais lui, il a fait le premier le Kohen, il a ouvert la porte. Après, ça y est, c'est devenu, on a commencé à transmettre. En avant, ça y est, il a transmis à Aaron, à ses enfants, et on a commencé à rouler, tac, 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 jusqu'à maintenant, et ça ne s'arrêtera jamais. Maintenant, tout ce qui a commencé comme ça, ça doit commencer par quelque chose d'intègre, de pur, et d'attacher très fortement à Hachem. On voit le Mishkan, c'est pareil. Les premiers objets, quand on les fait, il faut qu'ils soient d'une pureté très très forte, parce que de eux, après, il va y avoir les duplicata. Il y aura toujours le côté original, c'est-à-dire le premier, comme on dit le master. Il faut qu'il y ait le master. On ne peut pas copier, copier, copier. Après, à un moment, il ne reste plus rien. On a besoin du master, et du master, on recopie à chaque fois des choses. Le tzaddik, c'est le master, c'est le maître. Pourquoi on appelle, c'est le master, c'est le maître du monde. Le tzaddik, c'est lui qui maîtrise la spiritualité du monde. Et ceux qui ont inventé la Torah sans le tzaddik, c'est du riboui or gamour. C'est-à-dire, c'est comme les goïms qui ont cru que ce monde-là, on va faire la fête sans Hachem, sans le tzaddik, sans le Ham Israël. On va utiliser toutes les fuites qu'il y a eu à cause du riboui or, et nous, on va se nourrir de ça. C'est non. Récent, ça, c'est récent ou ça remonte à longtemps? Pardon? C'est récent ou ça remonte à longtemps? On peut avoir une Torah sans le tzaddik. Dans le Ham Israël, on trouve ça chez Korar, chez des choses comme ça, ou c'est récent, c'est 200 dernières années, c'est depuis la mort de Kéré? Non, tout le temps, c'est le principe de pyramidal, de la distribution de la spiritualité, c'est comme ça. Non, mais ceux qui sont relais sur ça, ceux qui peuvent avoir la Torah, mais sans le tzaddik. Le principe, il a toujours existé. C'est-à-dire le principe que des gens, ils ont toujours envie de faire leur truc, de ne pas passer par le tzaddik, c'est un principe qui a toujours existé. Mais seulement, ces derniers siècles, il s'est structuré. Avant, il n'était pas structuré, c'était des freelances. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes comme Korach, il avait quelques centaines d'élèves, etc. Mais après, ça s'est structuré et c'est rentré dans l'homme Israël une espèce de Torah que pourquoi tu as besoin du tzaddik, toi tu es un juif. C'est les mêmes mots qu'il disait Korach. C'est le message, l'erreur, c'est la même. Qu'est-ce que tu as besoin du tzaddik? Tu sais étudier, toi. Tu peux étudier la Torah. Pourquoi tu as besoin du tzaddik? Tu n'as pas besoin. Voilà, les livres que lui, il étudie, tu as les mêmes, ils sont là. Et tu as qu'à les étudier, toi aussi. Toi aussi, tu vas être un tzaddik. Et toi aussi, tu vas avoir un kécher avec Hachem. Et ça, ce n'est pas vrai, parce que le tzaddik s'appelle Brit. Brit Shalom. C'est lui, Brit Shalom. C'est le tzaddik. Donc, s'il n'y a pas de Brit, il n'y a pas d'Neshama. Il n'y a rien du tout. C'est ça, de la simulation de Torah, mais ce n'est pas de la Torah. Alors, c'est en train de le ribouille or. Et ça entraîne ce ribouille or, ça entraîne l'alimentation des clipotes. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à progresser quand ils sont dans la Torah. C'est parce que la personne, elle est choléquette sur le tzaddik, ou elle n'est pas attachée au tzaddik, ou elle est contre le tzaddik. Ça fait qu'elle n'arrive pas à recevoir la spiritualité comme elle doit la recevoir. Et ça s'appelle un harel. C'est-à-dire, ça s'appelle harel, c'est-à-dire par le fait qu'il il a un prépuce. C'est-à-dire qu'il a pris la Torah avec le prépuce. Tandis que le tzaddik, lui, t'enlève le prépuce de la Torah. Il te donne la Torah connectée. Il te donne de la Torah qui est avec Hachem. Pas de la Torah avec le prépuce. Tous les goïms aussi, ils ont une brit mila. Et ils aussi peuvent faire la brit mila s'ils veulent. Mais la plupart, ils ne choisissent pas de faire la brit mila. Parce que la plupart, ils s'alimentent des clipotes. Et ils sont contents comme ça. Ils se contentent de ça. Ils disent que pourquoi on va devenir juif, pourquoi on va entrer là-dedans, etc. On peut continuer à vivre très bien comme on est. On n'a pas besoin d'aller plus loin.
pourquoi on va chercher d'aller plus loin? Maintenant, c'est pareil, les gens, ils ont trouvé la Torah, ils ont trouvé des livres de Torah. Ils sont mis à apprendre la Torah. Ils disent, mais pourquoi aller chercher plus loin? Ça nous suffit, ça, on n'a pas besoin de plus que ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils n'ont jamais goûté la vie. Ils ne savent pas ce que c'est, la vie. La vie de la Torah, ils ne savent pas ce que c'est. C'est la même chose que celui qui n'a pas fait la Brit Mila. Il ne sait pas ce que c'est, la vie. Il ne sait pas ce que c'est, la Brit sans la Orla. Il ne sait pas ce que c'est un cœur sans la Orla. C'est normal, il ne peut pas imaginer que ça existe. Prinat Herbanal. C'est pour ça que quand il veut rentrer dans le judaïsme, il faut commencer par faire la circoncision, pour enlever la honte, c'est-à-dire pour enlever ce qui cache, pour le sortir du fait d'être cassé, c'est-à-dire de vivre avec les morceaux, c'est-à-dire de vivre en morceaux. Venit Galé Prinat Brit Shalom, et maintenant ça va se révéler chez lui, Brit Shalom, le principe de Brit Shalom. Shesham Shore et Tsel Israël Oranekuda, que là-bas il y a dans le Ham Israël la lumière de la Nekuda, c'est la lumière de la Neshama. Vazaim Mekabel Oranekuda Min Habedin Shel Shlosha Israelim Bodo Bamaim. Et à ce moment-là, il reçoit la lumière de la Neshama quand il est. Par le Beit Din, quand il est encore dans l'eau. Donc d'abord il fait la Brit Mila, après il se trempe au Mikvé, et quand il est encore dans l'eau, le Beit Din, il lui donne la Neshama, c'est-à-dire la lumière de la Neshama, il le reçoit à ce moment-là. Vazan itradesh mamash, et à ce moment-là, il se renouvelle mamash, c'est-à-dire il devient entièrement nouveau. Dainu sheyotse miprinat shvira liprinat tikkun, c'est-à-dire il sort de la shvira au tikkun, c'est-à-dire il sort des morceaux à la réparation, c'est-à-dire le fait d'être cassé, maintenant il va vers la réparation. C'est-à-dire qu'il devient une bria chadasha kayadua. Maintenant, le fait qu'avant il vivait avec des morceaux et que maintenant il se reconstruit, ça ne veut pas dire que maintenant, quand il se reconstruit, c'est les morceaux qui ont été assemblés uniquement. C'est que c'est des morceaux. Voyez par exemple le serpent. Le serpent, on dit, alors il faut lui détruire la tête. Parce que si on coupe le corps du serpent, il peut se reproduire avec les morceaux de son corps. C'est-à-dire que c'est pas un serpent, si on coupe un serpent en morceaux, il n'est pas mort. C'est-à-dire la partie du corps, toute seule, elle peut se reproduire. Si on ne détruit pas la tête du serpent, alors le serpent, il n'est pas détruit. Maintenant, dans le monde, c'est pareil. Toute la création, elle est comme ça. C'est-à-dire que quand les kélim, ils sont explosés, quand les kélim, ils se détruisent, il ne faut pas croire que tu as affaire à un morceau de kéli qui a pas de forme et qui est rien du tout. Ce morceau lui-même, c'est une vie. C'est-à-dire qu'il vit et il peut être interprété comme de la vie, mamash. Ce n'est pas un morceau que tu vas sentir qu'il manque quelque chose. Il ne manque rien du tout. Tu vas le voir comme s'il était chalem. La seule chose que tu ne sais pas, c'est que c'est un morceau de quelque chose de beaucoup plus grand. Mais quand tu le vois, tu ne peux pas reconnaître que c'est un morceau. Lui, il ne te renseigne pas que c'est un morceau. Parce que c'est pas, ça ne marche pas comme si c'est un keli qui se casse. D'ailleurs, dans le Chod Shabbat, si tu as un keli qui se casse, mais le morceau cassé, il est encore utilisable, alors il n'est pas mouksé, le keli. Il a toujours le shem keli. C'est-à-dire, si maintenant quelqu'un, par exemple, il a fait tomber un verre, ce verre, il s'est cassé, mais c'est coupé en deux, c'est-à-dire il y a la moitié d'en bas qui reste du verre, il a le droit de le prendre parce que c'est un keli. Il n'a pas perdu le shem keli. Quand est-ce qu'il perd le shem de keli? C'est quand il devient mamash des petits morceaux. Mais dans le monde, la shvira des kelim, ça ne veut pas dire que c'est des morceaux qui valent rien du tout. Chaque morceau, il peut se reproduire et chaque morceau, il peut avoir un sens en lui-même. Ça peut devenir une école de pensée en lui-même, un morceau. Bien que c'est une école de pensée complètement fausse et complètement à côté, mais c'est quelque chose, ça peut fonctionner. C'est pas quelque chose que maintenant tout seul, il va pas fonctionner. Et ça, c'est ça qui donne l'erreur dans le monde. C'est ça qui donne l'erreur. C'est que si tu prends la Torah, tu en prends un morceau, la Torah, elle marche aussi avec un morceau. Et tu peux croire que c'est ça la Torah.
Quelqu'un qui prend la Torah sans Moshe Rabbeinu, il va faire des mitzvot, il va être machmir, il va faire des choses avec du cœur, il va pleurer, il va faire beaucoup de choses et tout. Et les maasé, il n'a rien fait du tout, parce qu'il ne sait pas ce que c'est la Torah avec le tzaddik. Comme si maintenant un goy vient, commence à faire la Torah, et il est goy. Mais il ne peut pas faire la Torah en tant que goy. Ce n'est pas la Torah qui fait. Pour faire la Torah, il faut faire la Brit Mila, il faut se tremper au mikvé, il faut un bedid qui te donne la neshama. Si tu ne passes pas par ça, tu ne peux pas fonctionner dans la Torah. C'est-à-dire, ça ne s'appelle pas de la Torah. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais ce n'est pas la Torah. La Torah, elle a un ordre, comme elle se construit. Alors maintenant, après quand les morceaux ils vont être remis entre eux, c'est-à-dire qu'ils vont être rassemblés, alors là, il devient une Bria Hadasha Mamash. C'est pas quelqu'un qui était en morceaux et que maintenant on a remis les morceaux ensemble. C'est qu'il devient un autre individu complètement. Il vient de naître. Il vient de naître, mamash. Et il y a des chassidim qui préfèrent marier leurs enfants avec quelqu'un qui est converti plus qu'avec un Baal Tshuva. Ils prennent un converti, ils ne prennent pas un Baal Tshuva. Parce qu'il dit un Baal Tshuva, c'est quelqu'un, c'est des morceaux encore qui se recollent. Tandis que quelqu'un qui est converti, c'est une Bria Hadasha complètement. Il est entièrement nouveau. C'est-à-dire, il n'existait pas avant. C'est un nouveau, il vient de naître maintenant, c'est tout. Il n'existait pas. C'est quelqu'un qui vient de naître, vient d'arriver, il est complètement nouveau. Donc il n'y a pas de séquelles du passé, qu'il a fauté en tant que juif, ni rien, puisqu'il n'était pas juif. Donc il commence maintenant, il est neuf. C'est quelqu'un de neuf, quelqu'un d'entièrement nouveau. Donc quand maintenant il se trempe dans le mikvé et que le beddin vient, il le déclare, il lui dit s'il prend sur les mitzvot, etc. À ce moment-là, il lui connecte, il lui donne une neshama, et une neshama connectée avec Hachem. Et à partir de ce moment-là, il devient Briah Hadasha, Mamash. C'est-à-dire quelqu'un entièrement nouveau. Ce n'est pas des morceaux de ce qu'il a connu avant. Pour ça, celui qui s'approche du tzaddik, il va voir que c'est une Torah entièrement nouvelle. C'est pas une Torah comme il a connue avant. C'est pas la même Torah. Même si c'est le texte qui ressemble, mais c'est pas du tout la même Torah. Parce qu'une Torah qui est connectée au tzaddik, qui est connectée à Hachem, c'est pas comme une Torah qui a été cuisinée par un ben Adam, qui a mis son sechel dedans et qui a fait dedans de la cuisine avec la Torah. Quand le tzaddik enseigne la Torah, il enseigne une Torah de vie, pas une Torah de sechel, de réflexion, etc. C'est une Torah de vie, mamash, parce que c'est une Torah qui a tikkun abrit dedans. C'est-à-dire elle est liée à Hachem. C'est pour ça que la fréquentation du tzaddik et la fréquentation des enseignements, en eux-mêmes, c'est quelque chose qui répare la personne entièrement. Parce que ça remet les morceaux ensemble. Alors que quelqu'un, il s'est habitué à vivre avec un morceau du monde. Tu vois, par exemple, tu prends maintenant un pays dans le monde, n'importe quel pays, tu prends par exemple l'Argentine, tu prends le Brésil, tu prends l'Angleterre, tu as l'impression que c'est un pays, que la France, n'importe, tu as l'impression que c'est une nation, que c'est un pays, qu'il a une histoire, il a toute une culture, il a plein de choses. Maintenant, tout ça, ça vient d'où, tout ça? Tout ça, ça vient du Lashon HaKodesh, ça ne vient pas d'autre chose. Ça vient que du Lashon HaKodesh. Tout ce qu'il y a dans le monde, toutes les langues du monde, elles viennent du Lashon HaKodesh. Maintenant, chacun, il a pris, il a déformé, il a fait une langue. Maintenant, quand tu vois cette langue-là, alors tu crois que c'est une vraie langue. Quand tu entends parler l'anglais, ou tu entends parler l'arabe, ou l'espagnol, tu crois que c'est une vraie langue. Mais ce n'est pas une vraie langue. La seule langue qui existe dans le monde, c'est le Lashon HaKodesh. Toutes les autres, c'est des simulations. C'est-à-dire que c'est des copies, ils ont pris des morceaux. D'ailleurs, dans toutes les langues, tu verras qu'il y a des mots d'hébreu. Ils ont pris des morceaux et après, ils ont fait une pièce montée avec ça. Ils ont fait quelque chose. Et maintenant, quand tu les vois, tu as l'impression de voir une nation. Mais si tu prenais les 70 nations du monde et tu remontes vers leur origine à tous, tu vas voir que tous, ils s'alimentent de la Shvira des Kelim. C'est-à-dire tous, ils s'alimentent du fait que le Lashon HaKodesh, il n'a pas tenu dans le monde. C'est ça qui fait qu'ils s'alimentent. Le Lashon HaKodesh, il date du temps de la Torah ou d'avant? Non, de la création du monde. Le monde, il a été créé avec le Lashon HaKodesh. Hachem, il a créé le monde avec l'hébreu.
Le Lachon HaKodesh, c'est la langue de la création du monde et de son maintien, de son alimentation. C'est une langue de vie. Eux, ils appellent l'hébreu la langue morte parce que eux, ils croient qu'ils ont la langue de vie. Mais eux, ils vivent avec des morceaux morts de langue. C'est pour ça que c'est une langue qui ne donne pas la vie. Toutes les langues du monde, elles ne donnent pas la vie. C'est que le Lachon HaKodesh qui donne la vie. Et le Lachon HaKodesh, il est comme la... Je crois que j'ai dit la semaine dernière, c'est comme la Brit Mila, c'est la même chose. Rabbeinu, il dit que quelqu'un, ou il peut travailler sur le Brit, sur l'Alliance, et s'il n'arrive pas, qu'il travaille sur Lachon HaKodesh, c'est-à-dire qu'il dise du Lachon HaKodesh. Toute la journée, dire des Tehillim, dire des choses, dire de la Gemara, dire de la Mishnah, il dit des mots en Lachon HaKodesh, ça aussi c'est Tikkun HaBrit. Il y a une Torah dans l'Écouté Moral, Shlema sur ça. Ou maintenant, tu arrives dans Tikkun HaBrit, dans l'Alliance, à réparer l'Alliance, ou Lachon HaKodesh. L'un, il va alimenter l'autre. Parce que c'est la même chose. Le Lachon HaKodesh, c'est Brit. C'est le Brit, c'est la langue d'Hachem. Quelqu'un qui parle la même langue, tu vois qu'ils sont des co-religionnaires. Quelqu'un qui parle la même langue. Tu vois qu'ils tout de suite, ils commencent à avoir un rapport entre eux. Ils ont des choses qu'ils connaissent, qu'ils ont les mêmes goûts, plein de choses qu'ils ont en commun quand ils ont la même langue. Maintenant, le Lachon HaKodesh, c'est la langue du lien avec Hachem, c'est tout. Et toutes les autres, c'est de la langue de lien avec la Shvira des Kelim, des Tavot du Olam Hazeh. C'est-à-dire, c'est des gens, ils ont choisi un morceau. Chaque nation, elle a pris un morceau des récipients qui se sont cassés. Ils ont construit tout un truc là-dessus. Et ils ont fait une langue qui va avec. Ils ont fait une musique qui va avec. Ils ont fait tout un système qui va avec. Mais il ne faut jamais oublier que tout l'origine de toute leur vie et de tout ce qu'ils ont fait, c'est que des morceaux, des récipients qui sont détruits à la création du monde. C'est que sur ça qu'ils vivent. Donc n'importe comment que quelqu'un y tournera là-dedans, c'est qu'un morceau de la vérité. Et d'arriver avec ce morceau de la vérité à reconstituer tout le puzzle, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. C'est pour ça que Béhémeth, les gens qui reviennent, les gens qui se convertissent et qui reviennent, ils ont un très très grand mérite. Parce que c'est très difficile de trouver son chemin dans quelqu'un qui parle un langage qui est incompréhensible. Parce que quand il parle, il ne vous renseigne pas sur l'origine. Parce que son langage, c'est une déformation. Donc c'est très difficile à travers lui de remonter vers l'origine. Il y a des traces seulement, mais il n'y a pas quelque chose d'explicite. Alors que le Lachon HaKodesh, il est explicite. Quand Hachem il dit une challah, c'est du pain. Et du pain, c'est une challah. C'est-à-dire il n'y a aucune différence entre les lettres challah et le pain. C'est la même chose. Tandis que quand tu dis du pain, ça n'a aucun rapport avec le pain. Aucun rapport. C'est juste quelqu'un, il a appelé ça comme ça. Il aurait pu appeler n'importe comment d'autre. Ça ne change rien du tout. Qu'est-ce que tu veux demander, Youssef? Non, par rapport au... Vous dites que parler en Lachon HaKodesh et prenez un petit coup d'abri. Donc maintenant, on sait qu'il y a des doutes avec Hachem. On peut parler dans ces langues de Sfat M. Pas besoin de Lachon HaKodesh. Mais est-ce qu'il y a un lien avec la sikha avec les Khavirim ou la sikha avec le Sadiq? Que ce soit la Lachon HaKodesh, mais ça c'est comme Hibou des doutes, ça peut être dans notre langage. Non, la Lachon HaKodesh, ça veut dire que maintenant, au contraire, quand tu fais Hibou des doutes, ou tu parles avec des Khaberim, ou tu parles avec le Tzadi, et que tu parles ta langue, ta langue maternelle, si c'est le français ou la langue que tu as eue, de ça, tu répares tu répares la langue. C'est-à-dire que tu reprends tout le Lachon HaKodesh qu'il y avait dans la langue, et tu le rattaches à Kodesh Baruch Hu. C'est-à-dire tu répares les Kelim. C'est un niveau de réparation encore plus grand que le Lachon HaKodesh. C'est pas que c'est plus grand, tu es Mashlim le Lachon HaKodesh. Tu es Mashlim auto, tu le complètes. Parce que le Lachon HaKodesh, il s'est cassé en morceaux qui sont tombés dans les 70 nations. Tu es Mashlim le Lachon HaKodesh, tu le complètes le Lachon HaKodesh. Quand tu parles, tu fais Hibou des doutes en français, tu es Mashlim le Lachon HaKodesh. C'est-à-dire que le fait que tu parles à Dieu en français, avec comment tu parles à Dieu en français, avec le Lachon HaKodesh qu'il y a dedans, tu t'exprimes à Hachem, ça même, ça met Kadesh le Lachon. C'est-à-dire que les étincelles de Lachon HaKodesh qui se trouvent dans la langue, tu les ramènes à leur origine. Comme ça, chaque langue, c'est-à-dire que qui est parlée vers Hachem, tu es metaken la Shvira. C'est-à-dire que tu répares la Shvira du monde. Alors c'est quand qu'il faut que tu parles en langue, quand c'est moi, je dis pas qu'il faut parler en Lachon HaKodesh. Je parle du principe du Lachon HaKodesh. Je dis pas qu'il faut parler en Lachon HaKodesh.
Quand on dit que Rabbeinu dit Lashon HaKodesh, c'est Tikkun HaBrit, ça veut dire tu dis du Lashon HaKodesh, tu dis du Chumash, tu dis de la Mishnah, tu dis de la Gemara, tu dis des mots de Lashon HaKodesh, c'est Metaken le Brit. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu parles. Si maintenant tu as des midot d'un goy et tu parles le Lashon HaKodesh, ce n'est pas du Lashon HaKodesh que tu parles. Tu comprends? C'est comme si tu parles espagnol ou l'italien, c'est la même chose. Si quelqu'un n'a pas les midot d'un juif, quand il parle, c'est le Lashon HaKodesh, c'est pas du Lashon HaKodesh. Alors, c'est quoi la Hetzah? Si, quand j'ai du mal avec le Tikkun HaBrit, de partir en Lashon HaKodesh, parce que ça va m'aider. Oui. Si d'un côté, j'ai pas le Tikkun HaBrit, pour Lashon HaKodesh, c'est pas du Lashon HaKodesh. Alors, c'est du Lashon HaKodesh parce que tu es en train de lire du Lashon des Chachamim, le Lashon de la Torah. Mais si toi, tu parles le Lashon HaKodesh pour Stam, en parlant, pour t'exprimer, c'est toi qui t'exprimes à travers le Lashon HaKodesh. Donc c'est comme si les Italiens ou les Espagnols, ils sont fabriqués leur langue par rapport à leur midot. Tu comprends? Mais eux, c'est devenu une langue qu'ils ont arrangée, c'est-à-dire avec des sons, des mots, etc. Mais quand tu parles le Lashon HaKodesh, ça veut dire quand tu dis, j'ai pas dit parler, j'ai dit tu dis du Lashon HaKodesh, c'est-à-dire tu dis des Tehillim, tu dis du Chumash, tu dis de la Gemara, tu dis des mots de Chazal, de Torah, avec le Lashon HaKodesh, ça c'est Mekadesh, c'est des Mekadesh Otra, ça te rend dans Tikkun HaBrit. Ou ça, ou tu es capable de travailler sur l'alliance, c'est-à-dire que tu fais attention à tout ce que tu dis, tu entends, tu regardes, etc. Tu fais attention dans l'alliance avec Hachem, tu es chomer la halakha, tu fais très attention. Ou bien, tu as le Lashon HaKodesh, les deux ils s'alimentent l'un l'autre. Rabbi nous dit que quand tu fais Tikkun HaBrit, ça alimente le Lashon HaKodesh aussi. C'est-à-dire c'est Mekadesh ta connexion, c'est-à-dire ton moyen de connexion, ton moyen de communication. Ça le sanctifie. Ça sanctifie le moyen de communication. Donc le principe de la Guéroute, c'est ça. C'est-à-dire, le principe de quelqu'un qui veut se convertir ou quelqu'un qui veut faire Tshuva, c'est la même chose. C'est-à-dire celui qui veut venir vers Hachem, il faut qu'il utilise ce principe-là. C'est-à-dire il y a Brit Mila, il y a Mikveh, Il y a Et Mekabel la Torah devant le Bet Din, et à ce moment-là, il reçoit Neshama Yetera, c'est-à-dire à ce moment-là, il est rentré en communication avec Hachem. C'est donc, la traduction, Brit Mila, c'est l'alliance de la parole. C'est ça la traduction, ouais. Brit Mila. Oui, l'alliance de la parole, c'est-à-dire du principe de la communication même. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence la Brit Mila, il est dans le Tamir, c'est-à-dire il va pouvoir rentrer dans le judaïsme. Mais le moment où il reçoit sa neshama, c'est quand il est dans le mikvé et qu'il y a le beddin qui vient et qui lui dit que maintenant il est juif. Au moment où ils disent qu'il est juif, il reçoit sa neshama. Et maintenant, ça c'est la même chose que pour un juif. Si quelqu'un ne vient pas chez le tzaddik, c'est le tzaddik qui il lui donne pas l'onction, c'est-à-dire là, c'est pas le tzaddik qui l'officialise aussi. C'est quelqu'un qui travaille en simulation du judaïsme et c'est pas du véritable judaïsme. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas avec Moshe Rabbeinu, vous ne pouvez pas les appeler des vrais juifs ou les Karaïtes ou des choses comme ça. C'est des déformations du judaïsme. C'est-à-dire c'est tout des gens qui ont déformé l'aspect du judaïsme. Et quand maintenant le judaïsme il a été déformé par des écoles de pensée qui ont voulu se passer du principe du tzaddik, alors ces gens-là, ils ont mené des erreurs énormes dans le monde parce qu'ils ont fait des gens malheureux. Les gens ils croient qu'ils sont juifs, qu'ils sont dans la Torah, etc. Alors qu'ils sont très très loin de la Torah. Parce que tu ne peux pas vivre la Torah. C'est comme si tu dis quelqu'un ne fait pas la Brit Mila, et voilà, maintenant il est juif, il fait la Torah, il fait les mitzvot, il fait tout, mais il n'a pas fait la Brit Mila. Mais il ne peut pas faire la Torah. Comment il va faire la Torah? Il ne peut pas faire la Torah. S'il n'y a pas de Brit Mila, il ne peut pas faire la Torah. Ça ne marche pas la Torah. La Torah, c'est une connexion, ce n'est pas une méthode intellectuelle d'un mode de vie. C'est un mode de vie connecté, sinon ça ne sert à rien. À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est de la simulation de vie, mais ce n'est pas de la vie. La vérité, la vie, c'est qu'avec la Brit Mila, sinon ce n'est pas Shaya, Pichlal. On va commencer maintenant l'alakha bête dans Ilchot Chala. On va passer à autre chose complètement. On a fini cette alakha qui est alakha de Guérim, alakha Aleph, qui est assez courte, mais assez, puisqu'elle a une seule page. Maintenant, on va entrer dans Ilchot Chala. Le Chotra là aussi, je pense pas que c'est très long. La page d'après ? Pardon ? C'est ça. Et on a bientôt fini
Je pense que d'ici Pourim, on aura fini Bezant Hashem la Torah. Alors, on est dans Ilchot Chala, Alakha Bet, page 73 dans la brochure. Alakha Bet, Alpi Amahamar, Amatril, Vatem Tiulim, Amechet Kohanim, Vegoy Kadosh. Ele Advarim, Asher Tedaber. Donc, d'après la Torah, il dit, vous serez pour moi un peuple de Kohanim, un peuple saint. Voici les paroles que tu vas leur dire. Donc ça, c'est ce qu'il y a écrit au début de la Torah, c'est le Chumash que Rabbi nous rapporte quand il commence la Torah 34. Va'klal ki anekuda kedusha prinat tzadik yesod olam, prinat brit shalom. Donc le principe général, c'est que anekuda kedusha, c'est-à-dire le point saint qu'est la neshama, c'est elle est prinat tzadik yesod olam. C'est le principe du tzadik yesod olam, c'est-à-dire le tzadik qui est la base du monde. Prinat Brit Shalom, qui est l'alliance de paix. Donc, comme on a déjà parlé maintenant, je ne vais pas rouvrir maintenant sur ça. Vesham Shora Ahavad Gdusha. Et dans ce Brit Shalom, il y a l'Ahavad Gdusha, c'est-à-dire le principe d'aimer, mais d'aimer de façon kadosh. Prinat Kohen, qui est le principe du Kohen. Alken Alide Shatzadik, Shu Prinat Anekuda. Vesham Shora Ahavad Gdusha, Meir Belev Israël. Par le fait que le Tzadik, que lui, il s'appelle l'Anekuda, qui s'appelle le point de contact avec Hachem, dans lequel se trouve l'amour de Gdusha, c'est-à-dire la façon d'aimer de façon sainte, quand il est clair dans le cœur d'un juif, a des élites battent la harpot ashorim alalev. Ça va enlever toutes les hontes qui sont sur le cœur d'un juif. Shem shvirat lev, qui s'appelle le cœur brisé. Vekol echad tzarich lekabel manekuda sheyesh beatzmo. Et chacun doit recevoir du point de tzaddik qu'il a en lui, ou mekuda travero, et du point qu'il a chez son prochain. Des kol hanekudot kulam mekablim minekudat haklalut sheuprinat hatzaddik. Et toutes les nekudot, toutes elles reçoivent du point général qui s'appelle le tzaddik. Valide arat hanekuda shemeira bilibo. Par le point qui va éclairer maintenant dans son cœur. Et des zénit batlim acharapot ashurim alalev. Ça va annuler les hontes qui se trouvent, qui résident dans son cœur. Shem shvirat lev, qui sont des morceaux de cœur cassés. Ain sham kol zeetev, va voir tout ça là-bas bien dans la Torah. Donc tout ça, on l'a vu dans la Torah, on l'a répété plusieurs fois dans les halachot et dans la Torah. Le principe de tzadik et des chaverim et de la hitbodedut. On en a parlé sur plusieurs angles dans le Kuta Lachot. Alors, Bet, il dit Rabbi Nathan, Vezé Prinat Chala, Shetichim Lafrish, Minha Lechem. C'est ça le principe de la Chala. C'est-à-dire qu'on doit prélever de la Chala du pain, qu'on fait du pain. Kumoshkatu, Vaya, Beocholchem, Milechem Haaretz, Tarimu, Trouma, Hashem. C'est écrit, quand vous mangerez du pain de la terre, vous devez prendre la Trouma pour Hashem. Reshit, Arisotechem. Le début. Le prémisse de votre pâte, qui chala hinikret reshit, parce que la chala s'appelle reshit, elle s'appelle le prémisse. Venikret kodesh, elle s'appelle kodesh, sainte, shuprinat nekuda gdosha, kila nekuda gdosha, kina nekuda gdosha et prinat reshit, parce que la nekuda gdosha, elle s'appelle reshit. C'est-à-dire le point kadosh, il s'appelle reshit. Pourquoi il s'appelle reshit? Parce que c'est ça l'original. Après, c'est des copies, des copies, des copies. Mmh. L'original, le master du monde, c'est la Nekuda Gdosha. C'est-à-dire, quand Hachem il a créé le monde, il a créé chaque chose avec ce qu'elle est dans sa forme, dans sa fonction, dans son intention, tout original. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'Hachem il a voulu. Comme Avraham Avinu il est venu, Hachem il a dit, voilà, elle est tol dot shamayim ve'ares be'ibar'am. Voilà toutes les créations du monde quand elles ont été créées. Be alti krei be Ibraham et la be Avraham. Hachem dit ne lis pas be Ibraham mais be Avraham, parce que Avraham c'est le premier homme de la terre. C'est-à-dire c'est le premier qui correspond au master. Hachem il a créé un master, mais pour l'instant il y avait personne dans le monde qui était le master. Le premier master du monde, c'est le premier duplicata du master, c'est Avraham Avinu. Lui il correspond à l'original, dans tout ce qu'il est, c'est le master. D'ailleurs, après, le monde, il retournera entièrement dans la Naga d'Avraham Avinu. Comme Avraham Avinu, c'était le premier,
Ce qu'il y a au début, c'est ça qu'il y aura à la fin. Quand il va y avoir la Géoula, on retournera dans le système d'Abraham Avinu. Parce que c'est ça le réchit. C'est-à-dire, c'est le premier qui correspond au genre humain, comme Hachem il a voulu. C'est-à-dire, c'est comme si tu amènes quelqu'un dans un musée, tu l'amènes, tu lui dis, viens voir ce qui c'était le premier homme de la terre. Viens, je vais t'emmener. Tu dis, ah oui, viens voir. Viens voir qui c'était le premier homme. Tu viens, tu lui montres Abraham Avinu. Vous dites, tu vois, regarde. Voilà, c'était ça le premier homme. Premier homme, la terre, c'est lui. Oui, monsieur. On parle de Trouma ici, on ne parle pas des Bikourim. J'arrive pas à comprendre pourquoi le Trouma, c'est l'Égypte. Le Trouma, c'est à chaque fois que je fais du pain, je fais de la pâte, je prends une partie, non? Mais c'est aujourd'hui, ça met l'origine, c'était autre chose. Non, le Trouma, c'est lié à l'Égypte. Parce que quand maintenant tu prends la Khala, la Khala, tu la prélèves de la pâte. De la pâte que tu viens de faire avant de cuire ton pain, tu prélèves la challah. Donc c'est, si tu veux, cette challah que tu prends, c'est les prémices de cette pâte là. C'est-à-dire c'est la partie, si tu veux, c'est la partie, l'origine de cette pâte là. C'est ça que tu sors. C'est ça que tu n'as pas le droit de manger. C'est-à-dire tu dois le sortir de la pâte. Parce que c'est kadosh. Tu peux même pas le manger. Parce que c'est plus origine que le reste de la pâte, par exemple. Pourquoi ? Oui, c'est-à-dire que c'est si on est déjà dans le remes ou techniquement il y a quelque chose. Non, dans le c'est vraiment le début des le morceau que tu vas prendre, c'est lui qui est le début de ta pâte. C'est ça le début de ta pâte. Après le reste c'est le développement de ce morceau-là. Mais toute la pâte, si tu veux, elle a été faite sur ça. C'est pour ça que dans la halakha, si quelqu'un a oublié de prélever la halakha en chutz laaretz, il peut manger la halakha Shabbat et laisser un morceau de côté du pain. Mais en Eretz Israël, tu ne peux pas. En Eretz Israël, si tu as oublié de prélever la halakha, le pain, tu ne peux pas le manger. Hein? C'est lié au Bétamidage ou c'est aujourd'hui? Non, aujourd'hui, c'est comme ça. Si jamais on a oublié de prélever la halakha sur les chalotes de Shabbat, tu ne peux plus les manger. Ni Shabbat, ni c'est fini. C'est un pain, il est immangeable en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, tu as une tfissa de la chose comme elle est. C'est-à-dire, la chose, elle est comme elle est, maman. Je suis en route de la reste. Comme c'est déjà une simulation, alors il n'y a pas de. C'est moins grave. Ah, tu peux prendre notre Shabbat et enlever et alors manger le pain. Quand? Où? En Eretz Israël? Non, en Eretz, tu ne peux plus le manger, le pain, c'est fini. Si je n'ai pas fait au bon moment, tout est perdu. C'est-à-dire, si tu as passé le Shabbat, c'est-à-dire, si tu as fait la challah, tu l'as cuite, tu ne peux plus après prélever la challah. Tu vas prélever avant la cuisson. Alors, ce morceau de challah, c'est le pain à l'état pur, si tu veux, à l'état d'origine. C'est pour ça que tu ne peux pas le manger aussi. Parce que c'est trop kadosh, tu ne peux pas le manger. Parce que quand tu vas le manger, le fait de le manger, c'est déjà une consommation de ce monde et tout. Tu ne peux pas. C'est kadosh. Tu n'as pas le droit de le consommer du tout. C'est rien que tu le prélèves. Maintenant, le Behemet Avraham Avinu, c'est l'origine, c'est-à-dire c'est le côté de original de l'homme. Si tu veux voir un homme, à quoi ça ressemble, tu vas voir Avraham Avinu, tu vois le premier homme de la terre, à quoi il a ressemblé. C'est-à-dire celui qui a été correspondant à ce que Hachem lui voulait. Maintenant, le reste, c'est que des simulations. Après les autres individus, après tous les tzadikim, c'est des Adam. Mais il faut qu'il soit avec Tikkun HaBrit, etc. C'est pour ça que c'est lui qui a commencé avec la Mila. Tous ces inanimes-là, ils sont liés. Tu vois, la méthode, elle est liée. C'est lui qui a reçu la Mila en premier de faire la Mila. Mais lui, c'était le premier homme. C'est le vrai premier homme, c'est lui. Ce n'était pas Adam HaRishon. Adam HaRishon, c'était le projet. Mais le vrai homme, les maassés qu'il y a eu dans le monde, c'est Abraham Avinu. Ce n'est pas Adam HaRishon. Adam HaRishon, c'était la maquette, si on veut, de l'homme. Il aurait pu être le premier homme. Mais comme il a fauté, il est resté dans la maquette. Il n'est pas devenu mamache l'homme. Et après, tous les hommes qu'il y a eu, même quand il y a eu Noir, c'était pas encore l'homme comme Hachem le voulait. Après, Avraham Avinu, il est venu, c'est le premier homme. Shu prinat nekudat akdosha, qui est un nekudat akdosha et prinat reshit, prinat kodesh.
Kamouarchan de Mamarana. Alors, la Nekuda Gdosha, elle s'appelle Kodesh. C'est-à-dire, c'est ce point-là, qui est la Neshama, si tu veux, c'est l'origine de chaque chose. Donc, chaque chose, elle a une origine. Chaque chose, elle a une origine, et après, il y a eu des simulations. C'est-à-dire, il y a tout a une origine. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on vit, il y a une origine dans comment travailler, il y a une origine comment manger, il y a une origine comment dormir, une origine comment parler. Il y a un principe qui est le principe original, originel la chose, c'est-à-dire l'origine mamash. Et après, il y a les déformations de tout ce qu'il y a dans le monde. Mais chaque chose, elle a sa forme d'être qui est mamash, le principe de base de la chose. Il y a un principe de base dans chaque chose. Et c'est à ça qu'il faut arriver. Mais après, tout, c'est des déformations. On est tous des clones, pas des clowns, des clones. Des clowns clonés. Des clonés. On est des clowns clonés, mon ami. Prinat Reshit, Prinat Kodesh, Kamevoar Sham, Amaranal. Chez Nekuda et Prinat Kodesh, Aincham. Que la Nekuda, elle s'appelle Kodesh, c'est-à-dire elle est sainte. Sainte, ça veut dire pas de rapport avec ce monde. Celui qui est loin. Il ne peut pas avoir de rapport avec ce monde. Un Kohen, il doit choisir. Ou il travaille au Beth Amikdash, il est loin, donc il n'y a plus de rapport avec ce monde. Ou s'il veut traîner dans le monde, il ne peut pas être Kohen. C'est-à-dire, ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire, ou maintenant, il est loin, il est Kadosh Lachem. C'est-à-dire qu'il ne peut pas travailler, il ne peut pas faire business, il ne peut pas truc. Sa vie, il appartient au Kodesh, c'est-à-dire au Beth Amikdash. C'est tout. C'est très différent parce que, j'excuse, hein, c'est très différent sur les bikurim, on prend une partie, mais la partie qu'on prend, elle devient Kodesh, elle devient réservée à Hachem. Mais ici, c'est différent, c'est l'origine même qui est Kodesh. Et il faut la prélever pour en profiter. Alors que troisième chose, la brique mina, c'est différent, c'est le ra kolel qu'on enlève. On les mafriche qu'on enlève. Alors qu'ici, c'est le tov kolel qu'on enlève. C'est ça, c'est des notions qui sont proches, mais qui sont quand même différentes. C'est là, ce que vous dites, la Trouma, c'est-à-dire c'est le début de la même si j'ai une pâte entière, il y a quelque chose qui est original à cette pâte et c'est ce que j'ai essayé d'enlever. Mais dans Bikurim, c'est une fois que j'ai enlevé que ça prend le guide de Kodesh. Dans quoi, quand tu l'enlèves? Dans les Bikurim, dans les choses, c'est-à-dire oui. Une fois que j'ai réservé quelque chose à... C'est pas parce que, c'est pas une fois, enfin, c'est comme ça, c'est pour ça que je l'enlève. Pourquoi maintenant j'ai un arbre, il faut que je laisse, j'ai pas le droit de manger là or là. Pendant 3 ans, parce que c'est de la orla, maman, c'est-à-dire, quand maintenant je prélève le maaser, pourquoi le maaser il est kadosh? C'est parce que j'ai pas le droit, il est kadosh, c'est pour ça que je peux pas le consommer, que je dois donner en tant que maaser. Il est cette chose-là, c'est pas qu'il devient ça quand je l'enlève, il est ça. C'est pour ça que j'ai pas le droit de le consommer. Chaque chose, elle a un côté qui l'origine et qui l'alimente. Et qui fait d'elle ce qu'elle est là, mais si tu veux, c'est comme tu prends la monnaie, c'est-à-dire tu as les talons qui est déposé à un endroit, et après il y a des duplicata qui se font dans le monde, mais il y a un étalon de chaque chose. Chaque chose elle a son côté étalon qui est la base de la chose, et c'est ça qui va alimenter toute la chose. Et elle n'est pas le développement. C'est comme le Shabbat. Le Shabbat, c'est lui qui fait tout ce qu'il y a dans le monde, mais lui, il ne fait rien du tout. Lui, il est l'origine de tout. Mais il n'est pas dans les jours de la semaine. Ce n'est pas lui qui est là-bas. Il est présent, mais il est présent en tant qu'origine de chaque chose. Mais il n'est pas dans la chose. Il ne faut pas consommer tout ce qui est trop matériel, il ne faut pas consommer tout ce qui est Kodesh. Quoi? Je n'ai pas entendu. Il ne faut pas consommer tout ce qui est trop matériel. On n'a pas le droit de consommer non plus tout ce qui est trop Kodesh par rapport à où on est, quoi. Ce qui est trop matériel, c'est que s'il faut que tu restes attaché à l'origine, il ne faut pas que tu l'oublies. C'est pour ça qu'on doit se rappeler du Shabbat chaque jour. Parce qu'il ne faut pas que tu l'oublies, le Shabbat. Parce que si tu oublies, bien que maintenant tu te trouves loin de l'origine, il faut que tu te rappelles tout le temps de l'origine. C'est ça qui va te laisser la force de vivre en correspondance avec l'origine. Mais si maintenant tu lâches le lien avec l'origine, tu vas faire des trucs farfelus complètement. Il faut que tu restes proche de l'origine de la chose. C'est comme le Béhor, en quelque sorte. C'est comme le Béhor par rapport aux autres. Ouais, c'est comme le Béhor, Bédiou. Il est Kodesh, c'est pour ça qu'on fait Pidyon HaBen, parce qu'on le rachète, parce qu'il a, il est quand Hachem nous a fait sortir... Pour venir de lui, c'est la bobine. Ouais, il y a un chiouf de l'Halakha que tous les enfants doivent Mechabed le Béhor.
Parce que tous, c'est lui qui a le pouvoir de les alimenter à tous les enfants. C'est lui qui les alimente, le premier-né. Parce que le principe du premier-né qui est devenu Kadosh aussi, c'est qu'en sortie d'Égypte, tu vois ce que tu demandais, quand on est sorti d'Égypte, les premiers-nés sont devenus Kadosh. Tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, pour nous faire sortir, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Donc automatiquement, tous les premiers-nés du Ham Israël sont devenus Kodesh. C'est-à-dire qu'ils deviennent intouchables. Tu ne peux plus. Et c'était eux qui étaient prévus pour le Kohanim, normalement. Après, ils ont fauté. Donc Hachem, il a pris les Kohanim à manger. Mais c'était eux les Kohanim. C'était les premiers-nés, c'était eux les Kohanim. Parce que, si tu veux, les premiers-nés. Le fait qu'on en est sorti d'Égypte, Hachem, il a tué les Bechorim de Mitzrayim. Alors qu'il n'y avait plus de mélange. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'emprise sur le Bechor. Avant, il y avait les Bechorim Mitzrayim. Alors, le Bechor, il était mélangé. Tu me prends, il y avait un peu d'Égyptien, un peu de... Mais quand Hachem, il a tué tous les premiers-nés d'Égypte, c'est-à-dire le Béchor d'Israël est devenu Kadosh, tout de suite. Donc tout de suite, il appartient à Hachem. C'est fini, il ne peut plus rester dans le monde. Il ne peut plus être comme les autres et vivre avec... Parce qu'il est Béchor, c'est-à-dire qu'il est, Kadosh. Non, s'il avait pas eu, ils n'avaient pas fauté, c'est eux les Kohanim. Ça aurait été eux les Kohanim. Il n'y aurait pas eu de Kohanim. Et les Béchor, c'est eux qui auraient fait le service du Beth Amikdash. Alors ce principe-là, c'est un principe général qu'il y a dans chaque chose. C'est-à-dire que chaque chose a une origine, il faut retourner à l'origine à chaque fois, regarder bien l'original de la chose, et par rapport à cet original, il faut travailler. Il ne faut pas le consommer. Et non, il est inconsommable, parce que tu ne peux pas le consommer, parce que c'est l'original, on ne consomme pas. Ça, je m'attache à l'origine, super, quoi. Hein? J'aurais dit, je la consomme comme ça, je rentre dans l'origine. Mais non, tu peux pas. Si tu vas d'abord, elle ne nous appartient pas, mais c'est du ribouille or, tu peux pas. Tu peux pas, ça détruit le monde si quelqu'un consomme l'original. Il n'a pas le droit. C'est ribouille or, tu peux pas. C'est la partie d'Hachem qu'il a laissée là pour alimenter tout le. C'est comme si tu vas aller enlever la batterie, tu vas prendre la batterie, mais il n'y a plus rien qui marche après. Maintenant, tout ce que tu vois là, ça vient de la batterie. Tout est alimenté par la batterie, mais la batterie elle-même, tu ne peux pas la toucher, sinon il n'y a plus rien qui marche. Alors, chaque chose a un côté qui est original. Et il faut aller vers ça. Pas original dans le sens... en français, c'est déformé. C'est originel, si tu veux. Chaque chose, parce qu'en hébreu, ils disent original. Ça veut dire originel, ça veut dire original, disons en hébreu. Le côté originel, la chose d'origine. C'est-à-dire, comme on dit, cette pièce, elle est d'origine. Ce truc, elle est fabriqué par la maison d'origine, etc. Parce que les gens, ils préfèrent avoir des choses qui ont été faites par la maison elle-même qui a fabriqué la voiture, l'objet, etc. Ils disent que eux, comme c'est eux les fabricants, c'est sûr qu'ils font bien les pièces. Enfin, c'est supposé, disons, faire bien les pièces. Alors, dans le monde, il y a chaque chose, elle a une nekuda. Que cette nekuda-là, c'est l'origine de... Comme nous, on a chacun, notre origine à nous, notre côté originel. C'est quoi? C'est notre neshama. C'est ça notre côté originel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est, nous? On est, comme dit Rabbeinu, Ani, c'est la neshama. C'est ça ce que je suis. Je suis ma neshama. Mais maintenant, regardez dans quel état je suis, qu'est-ce que je suis devenu par rapport à mon neshama. Quelqu'un va lui montrer sa neshama à lui, on essaye de voir une ressemblance. On essaye de trouver une ressemblance entre ce qu'il est et sa neshama, ce qu'il vit et sa neshama. C'est difficile. C'est-à-dire, ceux qui sont arrivés à vivre en accord avec leur âme, c'est un très grand niveau. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à être en accord. Et le tzaddik, il vit, c'est lui, il n'est que de l'âme. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en lui qui n'est pas sa neshama. Il n'y a rien dans ce qu'il fait, ni ce qu'il pense, ni dans sa vie qui n'est pas sa neshama. Il y a pas, tout le corps, c'est une enveloppe complètement transparente. Dans son corps, il n'y a aucune déformation par rapport à son âme. Il est complètement en accord parfait avec son âme. C'est ça qui s'appelle Tikkun HaBrit. C'est pour ça qu'il s'appelle Brit, que Tzadik s'appelle Man de Nature Brit. Il a gardé l'alliance. C'est-à-dire qu'il est resté toujours lié à l'original. Jamais il a déformé. C'est ça le principe de Tikkun HaBrit. Pas de déformation. La Khala, c'est le Even Ashtiya dans le Dupin. De la même manière, le Even Ashtiya qui est le premier point de contact entre l'infini et le matériel, on retrouve ça dans cet élément et dans le temps. C'est pour ça qu'il y a une ségoula, Rabbeinu nous dit dans l'écouté moral, que de faire la mitzvah, de prélever la Khala, ça détruit les ennemis d'Eretz Israël. Du
avec ça, tu peux comprendre. Les femmes, elles passent des mots, dès qu'il y a quelqu'un qui est malade, elles font Afrachat Khalas pour cette personne, et c'est extraordinaire. Là, j'ai vu encore des messages qu'ils ont envoyés, des femmes de Pisgatzef se sont mis entre elles, et pour des cas précis, et elles avaient une telle quantité de faire de Khalas à faire. Mais c'est bien quand les femmes font le Khalas, de dire qu'elles sont Mekaven, d'être Mashbit l'Oivim sur Eretz Israël, de détruire les ennemis d'Eretz Israël. Parce que de manière générale. Hein? De manière générale. Ouais. Parce que c'est Mesougal pour ça. Parce que comme Eretz Israël, c'est le prémisse de la terre, c'est-à-dire c'est la terre de la terre. C'est-à-dire, comment dire, c'est pas la terre promise, c'est la terre prémisse, si tu veux. C'est le prémisse de ce qui s'appelle terre dans le monde. Donc quand elles font la challah, automatiquement ça détruit les déformations qu'il y a sur tous les prémices, c'est-à-dire de tout ce qui a été manipulé, tout ce qui veut être manipulé, veut être détruit. Toute l'emprise du mal. Ouais, toute l'emprise du mal, bederech klal. Mais il y a une ségoula avec la terre d'Eretz Israël, quand Rabbeinu dit, ça veut dire que tu sais que ça se trouve là-bas, Beikar, dans cette Nekuda-là.